Coucou mon fils. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Allô? Leonardo DiCaprio, comment tu vas? Ma belle Jackie Brown. Comment ça va? Coucou, Louloute. Coucou Laure, Yéné, comment tu vas? La mère bio, trop fatiguée. Mais là, je suis une première communion. Je suis avec les filles. Non, moi, je te donne le verre. Le vin, c'est... Un verre, oui, papa. Merci. Je suis une première communion. Il faut toujours répondre. On n'a pas le choix. Coucou, Adèle, comment tu vas? La BS va bien. Très, très fatiguée, mais ça va. Maintenant, c'est les préparatifs pour le départ, pour le pays. Elle va je suis en direct de ma personne. J'aime pas le souverain. Hein, qui va te demander? Ma femme. Ah. J'aime pas le souverain. Faut pas tracer la table. Hein. Oh, je voulais dire tout simplement merci. Il y a quelque chose qui s'est passé hier. Quelque chose s'est passé hier au parc. Quelque chose de bien gros. Oui, t'as pas vu, papa. On va témoigner pour toi. Il est-tu sucré ou il est... Je teste d'abord. C'est bon. Ah bon? Mais c'est pas sucré. Mais un peu ça. Tu veux ce qui est sucré? Non, tu as le fort. J'ai le fort. Je préfère pas le fort. Tu as ton gars là-bas. Oui, tu me donnes... À sec. Oui, oui, toujours. Et c'est gel, les gens. Je vous montre, je pense, ne sais pas c'est qui, non. On ne vous voit pas, non. C'est moi qu'on voit. Non. Lui, il aime le direct, hein, okay. Non, je veux pas. Je suis en direct sur Facebook. J'avais une veillée hier et je voulais remercier les gens, donc je suis en train de direct. Mais c'est moi. C'est moi qui regarde, on ne vous voit pas. Non, ça va, c'est correct. Hein? C'est le direct. Le direct, c'est direct. Ce qui se passe, se passe. C'est seulement bien de dire aux gens parce que, bon, quelqu'un peut se lâcher à côté sans savoir. Ou... Mais on ne vous voit pas, c'est moi seul qu'on voit, donc ça va. Merci, merci. Merci. Je vais au pays mercredi, après-demain. Oui, ma grand-mère. La mère de mon père était
très nagé, là. 100, 100. Oh, quelle grâce. Ouais, hier, en fait, on célébrait sa vie au parc. Et je sais pas, mercredi, on va aller célébrer aussi au pays. Ouais. Et ça s'est bien passé. Et ma chérie Nelly, merci, j'ai vu ton truc. Et j'ai vu ton truc, ma mère. Oh yo, vous allez me tuer. Maman, hier, c'était grave. Je vous dis que, à côté, si je ne sais même pas comment on témoigne ça. J'ai dit que hier, là, au parc, là, ce qui s'est passé, vous faites le japap. Le japap. Maman. J'accueille ce vin en Simalène. Ouais, que mon fils, le vin là, je prends le whisky sec, j'ai envie de me réchauffer un peu, non, même un seul verre, c'est bon. Et merci, merci, merci. Bonjour Manélie d'amour, je sais que tu es un peu fatiguée, je sais. Repose-toi maman, repose-toi, c'est pas grave, c'est correct, ça va aller. Merci Adèle, merci. Oh non, hier là, c'était grave au parc, je vous dis là, ouh, j'ai dit que vous faites le japap. Et ça me voici alors que... Comme on a dit, non, c'était célébrant, il n'y avait pas les moments de protocole. J'ai fait du poulet, du porc, du poisson, des rognons. Tu fais avec du coca? Non, juste glaçons, beaucoup de glaçons à sec. Ouais, moi je vais à sec. Merci papa. Regardez, il vient d'ouvrir la bouteille pour la PDG. Au goût de ça. De Gaulle à sec. Non, à sec là. Ne ris pas Nelly. Repose ta maman. Bien fatiguée comme moi là même. Bien pire encore même. Mais c'est la bonne fatigue. Repose toi beauté. Donc là, votre PDG, votre galactique. Merci papa. Ouh, tu connais. Oh, tu as mis les glaçons comme il faut. C'est comme ça que j'aime les glaçons. Dans le verre de whisky. Votre galactique, la galactique, je mets comme ça. Moi j'aime boire à sec, je dilue pas. Quand tu dilues, c'est plus bon. Avec beaucoup de glaçons comme ça, ça descend. Oui, en forme, fatigué. Je peux pas vous mentir, à l'intérieur c'est fatigué, malade. Les muscles font mal partout, mais ça va aller. J'ai dormi dans l'avion mercredi. Quand matin dans l'avion, c'est je vais dire à l'hôtesse que vous savez quoi, je dois dormir, je vais dormir. Ouais, mercredi je vais dormir. Donc c'est ça quoi. Donc ça fait que... Hier, là, vraiment, je remercie toutes les personnes qui ont pu faire le déplacement au parc. Il y en a qui n'ont pas pu par empêchement, le travail. Il y en a qui ne sont pas dans la ville, qui sont en déplacement. Il y en a qui sont un peu malades. Je vous souhaite un prompt rétablissement. C'était magnifique. C'était tout simplement magnifique. Maman, on a mangé. Moi, je pensais que le repas allait rentrer. On a mangé, on a bu. Les assiettes sont finies. Les fourchettes, les cuillères sont finies. Ce qui me fait rigoler, c'est que j'ai ma personne personnelle, le pinzo. Il y avait un dangereux haricot au parc là. Il a goûté le haricot, c'était bon. On lui a dit que... Non, quelqu'un lui a dit que le haricot est très bon. Il dit qu'il veut manger. Voilà que les plats sont finis. Parce qu'on a fini tous les plats. J'avais amené 300 plats, c'est fini. Vous savez, on avait aussi des enfants, les hot dogs, les ceci, les cela. Ça allait, ça allait, ça allait. Moi, je savais que ça va suffire parce que bon, c'est un barbecue, tout le monde mange. Après, les plats sont finis. Mon petit frère est allé chercher les plats. Il a cherché encore 50 plats. À l'espèce de une heure, même pas quand ça arrivait, c'est encore fini. J'ai dit, oh my God. Tout est fini. Au point, je suis rentrée au parc. Je dis même pas. Habituellement, quand tu vas au parc, tu peux rentrer avec quelques morceaux. Rien. Les gens ont mangé comme ma grand-mère voulait. Ils ont bu. Bu jusqu'à boire, jusqu'à... Quand on sortait au parc, il était presque 22 heures. Les gens marchaient façon, façon. Pour vous dire, c'était vraiment comme elle voulait. Elle voulait qu'on met les gens à l'aise, les gens célèbrent, les gens mangent, les gens boivent. À Bangaté, ça va être la même chose. On ne va même pas changer la donne, quoi. Ça va être manger, boire. Donc, et le père, mon ami le père, il voulait manger son jazz. C'était tellement bon. Il a mangé avec le couteau.
Et il prenait le couteau plastique là, il mangeait, il dit oh mon Dieu, mais on est au parc, vous savez, au parc c'est les moyens de bord, hein. On n'est pas trop exigeant, on va pas demander, vous voyez. Donc ça s'est très bien passé. Oh mon Dieu, vous avez contribué. Je vais d'abord remercier la fan qui m'a acheté le billet d'avion. Merci. Merci parce que ça fait pas 2 mois que je parlais. Je vous dis, ça fait pas 2 mois. Je parlais avec une de mes étoiles de followers qui me demandait, tu vis au pays quand ma mère, je veux te voir, je veux qu'on passe du virtuel à la réalité. Oui, il y a vraiment des gens qui m'aiment. J'ai compris qu'il y a des gens qui m'aiment vraiment. Et puis je lui ai dit, tu viens ce mois de juin? Je dis non. Tu viens ce décembre? Je dis non. Il y en a une qui m'a dit qu'elle se mariait au pays. Tu viens telle période? Je dis non. Les gens avec qui je parlais, il y a 2 mois, je disais non. Décembre, non. L'été, non. Et me voici en train d'aller au pays. Parce que vraiment, comme je vous dis, c'est on dit l'homme propose, Dieu dispose. Je ne peux même pas imaginer que je peux être en route pour le pays aujourd'hui. Et cette étoile de followers, elle m'avait toujours dit, Morven, tu mérites mieux. Tu mérites beaucoup. C'est que tu ne peux pas savoir. Bon, après, dans le fond, quand on fait les choses, on se dit, bon, on fait les choses, hein, on fonctionne, you know. Elle m'a dit, je ne suis pas du genre à aller dans la cagnotte pour mettre quelque chose ou du genre à répondre quand les gens, gna gna gna. Mais comme tu as mis ta doléance, que tu aimerais vraiment aller accompagner ta grand-mère dans sa dernière demeure, je te prends le billet d'avion. Je pensais qu'elle blaguait. Tu sais, moi, mes choses arrivent toujours comme ça. Quand ça va arriver, fais comme, ah bon? Really? Elle m'a envoyé le billet d'avion. Je vous assure, j'ai reçu le billet d'avion. J'ai dit merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Elle m'a acheté le billet d'avion, 1 400 $. Merci à cette étoile de followers. Je sais pas, je peux pas dire c'est qui. J'ai beaucoup de gens qui m'aiment bien et qui aiment bien l'anonymat. J'ai beaucoup. Et je préfère aussi garder leur anonymat parce que, écoute, c'est pas tout le monde qui veut se faire voir. Le bruit, les machins, les ceci. Et tchao, c'est pas tout le monde qui aime ça. On ne sait de quoi est fait le lendemain. Je vous dis que j'ai dit non. Tu viens au pays l'été, non. Tu viens descendre, non. Tu viens. J'avais fini de dire tous les noms, hein, là, Yéné. Me voici en train d'aller au pays mercredi. Et j'ai des personnes, hier, je trouvais ça incroyable. Ils me disent genre, tu iras prendre, tu sais, dans les cahiers, là, je lis le cahier de notes, là, je vois, tu iras prendre tant, mon temps ici, tu iras faire ci, ça, là-bas, whatever. J'étais étonnée, je me suis dit, mon Dieu, tout ça pour moi, vous m'avez gâté, hein. C'est parce que tu es une femme qui comprend les gens, tu es ouverte et tu as un grand cœur. C'est pourquoi nous t'aimons. C'est parce que tu es une femme qui comprend les gens, tu as un grand cœur. Oh, c'est gentil ce message. Tu es ouverte et tu as un grand cœur. C'est pour ça que nous t'aimons. Moi-même, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, mes étoiles de followers. Merci. Franchement, j'ai dit waouh. I'm telling you. Merci Laure, merci. Vous savez, des fois, on se dit non, les gens ne voient pas qu'est-ce qu'on fait, ou bien les gens ne se rendent pas compte. Mais on continue quand même parce que c'est notre comme ça. À un moment donné, vient le temps de la rançon, comme on dit. C'est le temps de la rançon, franchement. Donc, du coup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie cette étoile. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont déplacées. Ils ont bravé. Il faisait froid hier. Hein? Il faisait froid. C'était pas chaud à Montréal. J'en avais 15 degrés. Je sais pas. Même aujourd'hui, c'est pas chaud. Où je suis dans une première communion, il y a la terrasse là. Mais je peux même pas aller à la terrasse. Il fait froid. Parce que j'ai un peu plus froid. Parce que je me sens fatiguée. À notre santé. À notre santé, mon beau. Mon beau, santé. Hein? Je te cherchais pour toaster moi et je pense maintenant. Oui. Je commence demain, non? Parce que tu pas. Tu gueules pas seulement. Je pas où? Non, je suis la pierre. La soirée est jeune. C'est comment tu veux sortir du travail? Hein? Tu ne vas pas travailler. Lui, le matin avec Alex, nous avons des activités. Coucou, hey, ma belle Clairette. Comment tu vas? Yeah, là on est sorti du parc à 22h ma chérie. Toi tu es venu tôt, tu es parti tôt, mais on est sorti à 22h ma chérie. C'était grave. C'était grave. Merci du soutien. Merci beaucoup du soutien.
Non, c'est ça. Moi, je réponds pas à ce genre de questions. Ah, ok. Je réponds pas. Je suis pas du genre à taper le dicalo, donc je réponds pas. Tu prends ça comme tu veux, ça me dérange pas. Mais il est lourd. Il est lourd. C'est bon comme ça. Parce qu'il est bon jusqu'à. C'est ça, ma chérie. Je réponds à personne. Vous prenez ça comme vous voulez. I don't care. I don't care. Je passe à ce qui est plus important pour ma vie. C'est d'abord ma famille. Le bébé, tu veux porter le bébé? Oui, on va. Tata va donner l'ordre et puis on va y aller. Bientôt. Je t'ai dit, hein, là, c'est toujours comme ça, les affairés. Chacun prend comme il veut, il déduit ce qu'il veut. Les gens veulent seulement, tu vois, ils aiment que tu leur donnes ce qu'ils veulent voir. Le Japap, non. Le Japap, le show-off, le bruit, le ceci. Moi, je ne suis pas dedans, dis donc, qui le sait. Tu es une femme, no, ma soeur Banate. Merci Roselyne. Merci beaucoup. Ah, yeah, là, jusqu'à ce matin, je me lève, j'avais les virements interacts. Les virements interacts, ça n'a pas arrêté. M'envenne, on te soutient, m'envenne. Franchement, j'ai compris que Montréal, à Montréal, j'ai une famille, des gens sûrs. C'est pas les choses qu'on parle là. Tu fermes tes yeux, tu ouvres, tu peux compter du bout des doigts comme ça, tu comptes, ils sont là. Les gens sûrs, qui ne peuvent pas te lâcher. C'est ça qui est important dans la vie. C'est-à-dire que tu as des personnes abstraites, des personnes loin, des personnes que peut-être tu ne peux jamais rencontrer. Puis tu as des gens sûrs qui sont là. Je dis qu'on a fait le sitting au parc. On est quitté au parc parce qu'il fallait qu'on vide le parc. Le sitting était de taille. Franchement. Donc, non, je bloque personne. J'ai décidé que les gens doivent me voir vivre, Mel. Il n'y a pas de souci. Donc, coucou ma ange. Donc, c'est ça. Mais vraiment, merci. Alors, au pays, ça va être assez grandiose parce que c'est une grande dame, hein, ma grand-mère. C'est une Thatcher. C'est une Thatcher. Ça dit qu'elle avait 117 ans et sa progéniture sur Terre était 117 enfants. Ça dit ses enfants, ses petits-enfants, ses arrières, petits-enfants, ses arrières, arrières, arrières. Tout le total avec ceux qui sont vivants et morts, 117. Donc, elle a bouclé la boucle égalité. Je vous dis, cette femme-là, une dame de fer. Je suis vraiment... Hier, vous êtes venus célébrer. Les gens ont respecté le dress code. Merci. Vous avez respecté. Il y a des gens qui ont respecté. Il y a des gens qui ne pouvaient pas parce qu'ils sortaient d'ailleurs de ceci. C'était pas grave. C'était pas si grave que ça. C'est très bien passé. Vraiment, j'ai compris. J'ai compris que dans la vie, il ne faut jamais perdre de vue ce qui est la famille, ce qui est les gens sûrs. Ça, là, c'est... C'est ton rempart, c'est vraiment ton point de chute, quoi, voilà. Et à Montréal, oui, je peux dire oui, j'ai des gens. Oui, 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 20 ans dans un pays, j'ai des gens et des gens sûrs. Quand je fais comme ça, ils sont là. Je sais que je peux compter sur tel, ils m'ont vraiment honoré. Ils sont venus faire le city, ils sont restés jusqu'à ce qu'on devait partir, on est partis ensemble. Je vous assure, j'ai été très touchée, quoi. J'étais très touchée. On a mangé, on a bu, on a dansé. C'était magnifique, quoi. Tout simplement magnifique. Je ne pouvais même pas faire des vidéos, des films, parce que j'étais tellement au four, au moulin. Je montais, je descendais, je n'ai pas pu. Même les quelques photos, c'est quand ma fille pouvait prendre. Mais après, moi, j'étais là-bas, ici, accueillie, là-bas, ici. Oh, je suis rentrée le soir, j'arrivais pas à mettre mes pieds au sol. Même vider la voiture, pas capable. C'était intense, franchement. Merci. Merci, mes amis. Merci, mes gens sûrs. Vous êtes ma famille. Vous êtes ma vraie famille, ma réelle famille que j'ai trouvée au Canada. Ouais. J'ai une famille ici. Ça, c'est clair. Je ne peux pas me soulever n'importe comment. Oui. I'm telling you. Non, c'est ça. Franchement, je voulais dire ça. Je voulais vraiment vous faire un petit témoignage là-dessus. Et je voyage mercredi. Je voyage mercredi. Mon lien de Litchi est toujours là pour ceux, parce qu'il y a des personnes qui m'ont écrit et m'ont dit qu'elles voulaient m'envoyer quelque chose par Western Union. C'est pas la peine d'envoyer quelque chose et que ça prenne beaucoup de frais, vous voyez. Donc moi je dis, écoute, le lien de Litchi est ouvert,
ils n'ont qu'à mettre là-bas et puis voilà, donc c'est toujours à moi que ça appartient, donc au moins ça ne sera pas aussi cher, parce qu'il y a une façon de cotiser telle que une fois que tu le mets, tu mets le lien, tu mets le montant que tu veux mettre, si tu veux. On te dit de mettre, mettons, on te dit de mettre un pourcentage. Parce que ce qui est bien avec GoFundMe, c'est que les pourcentages de GoFundMe ne chargent pas de frais à la fin de la... C'est une cagnotte, en fait. Ils ne chargent pas de frais. GoFundMe, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que c'est toi, le donateur, qui décide la quantité qui va aller à GoFundMe. Donc, tu peux, en donnant, dis, je choisis autre. Et dans autre, tu choisis 1$ ou 2$ ou 5$ ou 10%, tu choisis ce que tu veux et tu ajoutes dans ton don, quoi. Donc la cagnotte est là encore en ligne. J'ai parlé avec mon étoile de follower qui l'a fait. D'ailleurs, elle était opaque. Elle est ici au Canada en passant. Je l'ai découvert hier. J'étais bien contente. Elle m'a dit, tu sais, tu le mérites. Voilà. Ne regarde pas ce qu'on écrit autour. Ne regarde pas tout ça. Tu le mérites. Et actuellement, c'est à 1000 combien? Oh, je suis bien contente. Je suis bien contente parce que, vous savez, quand on lance un truc comme ça, ça peut ne pas fonctionner. Parce qu'on a vu des gens qui l'ont fait, ça n'a pas fonctionné. Personne ne met rien et puis on regarde ça passer comme ça. Mais moi, je suis contente parce que les personnes qui mettent, c'est les personnes que je connais personnellement. Donc, ça veut dire que j'ai des vraies personnes. Merci. Et c'est déjà à 1000 quelques... Bon, à un moment, on m'a dit que la coach et Servelé s'en moquaient un peu. J'ai dit, mais attends, elle peut pas se moquer de ça quand même. Parce que sa nièce a fait un pour faire son rouge à lèvres. Elle avait combien? 50 ou 150, je sais plus. Moi, je peux m'estimer que je suis bien parce que quand j'ai fait... Bébé, tu peux pas venir dedans. Tu peux pas venir dedans. C'est Facebook, tu peux pas. Maman peut pas être contente de voir ta figure ici, là. Va voir maman, va venir dedans. Donc, quand elle a mis, elle a fait pour sa beauté, pour se faire belle. C'était pour les rouges à lèvres, pour mieux nous insulter, aboyer sur nous, là. Elle avait fait un lien elle-même, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'elle avait fait 150 ou 100, je ne me souviens plus. Et une fois même, j'avais parlé de ça, parce que sa tante dit que le mien, il est bancal. Le mien, il est bancal, mais il a tenu la route, hein. Il a quand même... il a mis les cakes, hein. J'avais pas plus hier, hein. Donc, quand on vient venir te donner 1000 cakes, tu vas prendre, tu vas pouvoir faire quelque chose. Je peux payer un voyage à Cuba. Je peux me payer un voyage aux Bahamas. Je peux aller voir la tombe de Bob Marley. C'est un de mes rêves. Je peux aller en Inde, à New Delhi. J'aimerais bien. C'est ça. Donc, c'est beaucoup de choses. Ça veut dire que ce qu'on fait sur la toile, on entertaine les gens, on prend le temps, on est des women empowerment, on impacte les vies, voilà, on impacte les vies. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Quand je parle comme ça, vous envoyez des cœurs, ça me fait plaisir. On impacte des vies, on marque notre passage sur terre, on veut que notre passage compte et qu'il y a des gens en arrière qui essayent d'encourager cela. Franchement, ça fait plaisir. Moi, hier au barbecue, il y a un cahier qui a circulé. Le montant du cahier, j'ai eu la chair de poule. C'est pour vous dire que les gens m'aiment. Et je ne vais pas vous décevoir. Je ne vais pas vous décevoir. Je vous le dis vraiment, je ne vais pas vous décevoir. Je vais vraiment essayer de donner la meilleure version de moi. Je suis pas parfaite, ça c'est clair. Mais je ne vais pas vous décevoir. Je suis une personne très entière. Bonjour mon frère Pascal, mais je ne t'ai pas vu au barbecue hier. Je vais au pays mercredi. Est-ce que tu es encore au pays? Non, oui. Moi, je vais au pays mercredi. Chantal Mel, je t'ai pas vu, ma fille. Il faut que je t'appelle. Je t'ai appelé l'autre jour, ma fille. Allô, Mel Nelly. Love you too, ma chérie. Donc, c'est ça, vraiment. Faisons le bien. Ne faisons pas autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Soyons, n'est-ce pas, des femmes influentes, des personnes qui impactent les vies, des personnes que quand on ne nous voit pas, on nous réclame. Béni en arrivant, béni en partant. C'est ce que j'essaye de travailler tous les jours pour être. Je sais que les gens m'aiment. Je n'en doute pas du tout, Laure. Je n'en doute pas du tout. Parce que beau temps, mauvais temps, contre vents et marées, vous me l'avez prouvé. Et franchement, je ne saurais comment vous remercier. Quand je pense que mon vol atterrit au pays, j'ai des endroits que je dois aller chercher les argent. Je dis, waouh, vous êtes sérieux? Oui, va chercher ici, va chercher là-bas. Je dis, waouh, quelque chose que je n'avais pas prévu, vous me soutenez comme ça. Franchement, je remercie chaque personne particulièrement. Et je suis obligée de venir remercier sur Facebook parce que c'est dans Facebook qu'on a fait le deuil aussi. Vous voyez, non? Donc, vraiment, restons des personnes vraies, authentiques. Quand tu veux faire quelque chose à ton prochain, quand quel que soit ce que tu veux penser à faire à ton prochain,
enlève tes chaussures, enlève tes habits, sors de ta zone de confort. Mets-toi à la place de ta personne. Dis-toi que bon, je suis en train de faire un coup à m'en veut. En ce moment, m'en veut est en période de deuil. Elle a perdu sa grand-mère d'amour. Je vous rappelle que je suis née à Bangante avec elle. Elle m'a allaitée. Donc pour moi, c'est comme ma maman, elle m'a appris à cuisiner. Parce que celle-là, elle savait cuisiner, ma grand-mère. Pas les choses qu'on parle là. Cadre là, bien là. Pas les choses. Donc moi, vous mettez mes chaussures. Vous dites, bon, si moi maintenant, je suis à la place de m'en veut. Je suis devenue m'en veut. Changeons de place. Et on me fait ça, comment je vais je vais prendre ça. Et à partir du moment où tu vois comment, regardez, hein. Comment ça m'a gâté, c'était une grande genre woman, mettre ça au sol, je peux pas, c'est juste un verre, après il rentre, je conduis, je suis avec les enfants, je dis à mon beau de venir porter la bouteille là, vite fait. Donc pensez toujours que, est-ce que si moi ça m'arrive, qu'on me fait la même chose, je vais aimer. Si tu aimes, c'est bon, vas-y, fais-le. Et je sais que tu ne vas pas aimer. Il n'y a personne qui aime ça. Voilà. Donc ne faites pas autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Dodo fatiguée, plus, tu es une grande courageuse. Merci ma mère, je suis trop fatiguée, mais je suis à une première communion. J'ai mes petites nièces qui sont en communion aujourd'hui. Je suis venue, ouais. C'est ça. Ouais. Donc, je vous aime bien. Je vous dis, donc, est-ce qu'il y a des questions pour moi? S'il y a d'autres questions avant que je parte. Entre dans le vif de la fête, là. Non, je vais au pays mercredi. Je ne suis pas encore au pays. Je quitte mercredi, j'arrive jeudi. Vendredi, je vais à l'ambassade du Canada. Après samedi, je prends la route du village. Ouais. À Bangante. C'est là-bas que tout se passe en fait. Oui, bonne mine, oui, toujours. Bio, la mère bio. Zéro artifice. Je n'ai pas dit à Dieu qu'il s'est trompé de me créer. Non, non, non. J'ai pas mis les frottes, naturel, bourra. Oui. Naturel. Même les ongles, je n'ai pas. Donc, celui qui veut capturer pour m'insulter, va seulement m'insulter. Ça fait quoi? Ça fait rien. Naturel. Trop naturel. J'ai pas mis de fond de teint, même, regardez. Elle seulement mis un gloss aux lèvres. Rien. Oui, merci. Il faut de ça aussi. On ne peut pas être tout le monde artificiel. Voilà. Aussi les gens qui sont simples comme nous. La vie, c'est un ensemble de tout. Non, mon fils, j'arrive à Yaoundé. Toi, tu es où? Toi, tu es où? Je vais au pays mercredi. J'atterris à Yaoundé. Je suis une fille de Yaoundé. C'est 100% naturel qui s'assume. Parce qu'il y a des naturels qui ne s'assument pas. Mais les tones de fond de teint. Elles sont belles, jolies, belles, jolies, belles. Ma beauté, Joël, comment tu vas? Je t'ai pas vu au parc. C'était pour tous, hein. Les gens qui m'ont dit, tu ne m'as pas appelé. Comment vous voulez qu'on appelle quelqu'un et le deuil? Ouais, vous êtes même simple. Moi, quand j'entends le deuil, je pense seulement. Si j'attends qu'on m'appelle, je ne peux pas. Oui, toujours Yaoundé, je suis une fille de Yaoundé. Doran Bem, comment tu vas, beauté? Ça fait longtemps. Charles Mervin, je ne t'ai pas vu au parc. Tu n'es pas venu célébrer ma grand-mère. Un barbecue frit, vous manquez. En tout cas, on a tout mangé, tout était fini. Donc, vous n'êtes pas venu, mais les gens sont venus tout manger. À Montréal, il n'y a pas le free. Hein. Tu es parti encore un pas quand tu dois manger les choses un jour au Canada. Jamais tout en vend. Je suis arrivée, j'ai trouvé certaines personnes qui sont venues au parc. Entre autres, une dame camerounaise. Elle me dit, madame, vous vendez ce que vous amenez là. Je dis, non, c'est un jour. Elle se promenait au parc. Hein. Je dis, c'est un jour. Elle dit, oui. Je dis, tu as faim. Elle dit, prends l'assiette, tu te sers, ma fille. Elle était Wanda. Elle a mangé. Elle dit que toi, c'est qui? Je dis, tu ne me connais pas.
Elle dit qu'elle est là depuis un an. Je dis, je suis la galactique, l'incontournable, la reine mère, bio, la plus bio de sa génération, oui, qui ne fait pas d'artifice, qui fait la chose de quelqu'un comme elle veut qu'on fait pour elle. Voilà. C'est pas grave, mon fils. On se capte inbox. Oui, qui fait la chose de quelqu'un comme elle aimerait qu'on fasse pour elle. Un mère bio, naturel, zéro. Ça veut dire qu'elle n'a pas dit à Dieu qu'il s'est trompé. C'est comme il m'a fait là, sur la aura. Vous allez me jeter. Franchement, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci, merci. Ta soeur t'attendait, Leslie. Elle me dit, mais il est où, Charles? Je ne sais même pas si elle t'a dit. Comme vous, là, il faut seulement qu'on vous appelle, on vous invite personnellement. Maman, tout le monde se prend au sérieux. Seulement qu'il y a les gens qui savent que quand maman veut faire, même quand je faisais les soupers chez moi, là. Quand j'attends 5 personnes, il fait l'habitude de 15 ou 20 personnes, même 30. Donc si tu amènes 3, tu amènes 4, tout le monde, les autres emballent. Je suis comme ça, je suis la reine mère. Rien ne manque chez moi, rien, n'importe quoi que tu penses. Y a. Une femme qui a 2 congélateurs, mon ami. Tu as même de quoi plein, de gros. C'est facile. Non, pas d'ingénieur, il ne peut pas, mon fils, tu connais. Il a le temps pour frotter. C'est au travail, hein. Toujours imiter, jamais égaler, mais c'est ça. Merci mon fils, merci mon fils. On se capte inbox. Donc, tu as sens au travail. On te dit que tu frottes ceci le matin, tu frottes l'autre le soir, tu dois tourner ceci. J'ai le temps. Moi, j'ai pas le temps, Dora. Et notre j'ai appris le message. Elle dit que je l'ai pas invité. Elle dit, ouais, ma chérie, tu venais, j'allais te dérouler le tapis rouge. Aura. Tout le monde qui venait, même les passants. Même le gardien du parc, il avait son plat. Il était VIP. Le gardien. Ouais. Le vrai walk. Allez, vas-y, elle te dit d'y aller. Tu peux regarder où? Tu vas demander à Tata là-bas. Ouais, je vous manque beaucoup, hein, c'est vrai. Maman, maintenant, là, j'ai trop de choses qu'à faire. Lancement d'entreprise, c'est facile. Il fait froid dehors. Tu as vu mon chemise. J'ai même pas pris de chape, rien. Quand elle sortait, il faisait chaud en fait. Il aime danser. Il aime danser, grave. Tu vas ramasser les verres là, Emma. Non, je le laisse, mais je le mets juste pour qu'il danse. Ah, ok. Il aime danser mal. Dès qu'il entend la musique, je vous aime beaucoup, non? Il n'y a pas de questions pour moi. Je donne 5 minutes pour les questions après. Je donne 5 minutes pour les questions après, je m'en vais. Vous dites quoi là? Donc c'est ça les questions. Vous n'avez pas les questions. J'ai donné 5 minutes, après je vais partir.
Tu fais un gros pompon, c'est beau. Hein. Bon, je vous laisse, non. Je vais te faire signe quand j'arrive, mon fils. Je te fais signe. Comme c'est le deuil, funérailles, tout ça, là. Je suis venue vraiment pour ça. Je vais être plus à Bangonté qu'à Yaoundé, en tout cas. Merci. Merci, ma famille. Merci, mes amis. Je ne suis rien sans vous. Je suis mes étoiles de followers. Maman, vous êtes comme ça. Vous êtes adorable. Ouais, on m'appelle quand je suis à direct. Ouais. Merci, Dor. Non, pas vraiment longtemps. Hein. Au pays, c'est pas longtemps. Pas longtemps. Le temps des cérémonies, enterrement funéraire. Oui, rendez-vous au pays, mon fils. Je suis en mode préparatif et descendre au pays. Maman, quelqu'un m'a demandé il y a 2 mois, est-ce que tu viens au pays en décembre? Non. Tu viens en juin? Non. Tu viens quand? Je ne sais pas. Me voici en train de partir. Et le pays là, nul ne sait ni le jour, ni l'heure, ni l'endroit. Nul ne... Ça veut dire que demain là, on ne connaît pas. On parle seulement comme ça, blablabla. On ne connaît pas. Je suis bien installée ici, regardez. Mon goût, ça c'est mon goût. Akula Matata. Ça va couper mon direct des chansons là. Il rendez-vous au pays. Ma chérie Josiane, et qui est, je t'ai pas vu hier, c'est comment? Misté, comment tu vas? Et c'est que de loin, tu étais avec moi. Sûr que tu n'as pas pu te libérer dans ta ville, là, voilà, pour voyager. On a Njoka jusqu'à... Ouch! J'étais contente, merci. J'étais déjà rendu compte de ce que j'ai souvent. Vous savez, vos longs noms, là, j'étais déjà rendu compte de quelque chose. Pourquoi tu viens me demander ça? C'est quoi ton projet? Faut glisser dans mon direct. Ça, vous faites, on vous bloque pour rien, vous ne voyez plus une belle femme bio comme moi. T'as plus envie de voir une belle femme bio parmi tes connaissances et Facebook là. Il te bloque. Bio naturel qui s'assume. Tu n'as plus envie. Il te bloque. Bon, faut te calmer. Akula Matata. Il y a un bébé qui danse ici jusqu'à. Ils sont fatigués, ils veulent plus voir une maman bio comme ça. Est-ce qu'il y a trop de naturel dans vos yeux cette année? Ma chance. Maintenant on fait quoi? Tu te bloques, tu vas plus voir la mère naturelle. Qui n'attaque pas. Mais quand la chaise, on la trouve. Ma fille, ma jolie, je t'appelle tout à l'heure, chérie. J'ai vu ton appel, mais je suis en direct. Je t'appelle live, là, tout à l'heure, quand je finis. Quelle beauté. Waouh, ma beauté. La mère. La mère sexy. Toujours. Édique. Bon. Merci, ma fille, ma jolie. Akula Matata. Moi, je regarde depuis Facebook. Oui, je sais, ma fille, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre. Je vais t'appeler. Je vais t'appeler, ma fille. J'ai oublié de t'appeler. Là, c'est facile d'appeler tout le monde qu'on a le deux. On se dit que quand la nouvelle est partie, les gens sont au courant. Non? On ne peut plus comme téléphoner.
Ok, ma fille. Pas de soucis, ma fille. Je t'appelle tout à l'heure. Je t'appelle tout à l'heure, ma fille. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu as appelé, j'ai vu, je vais te rappeler, chérie. Dès que je finis. Bon, il n'y a pas de question, non. J'ai donné plus de 5 minutes. Bon, je vous aime beaucoup. Merci, mes étoiles de followers. Je vais mettre le lien de mon litchi au début de la vidéo, parce qu'il y a des gens qui me demandaient comment faire. Pour vous éviter les frais de Western Union et tout ça, là, je vais mettre le lien du litchi. Ça peut toujours être en jumelage, ça ne dérange pas. Je vais mettre au début de vidéo, vous qui êtes loin. Donc, la terriblement mariée. Merci, Chanel. Merci ma fille Françoise. Hé hey, Françoise, comment tu vas? Donc c'est ça. Bisous. Bye tout le monde. Je vous aime. Hein. Je vais mettre le lien au début de la vidéo pour ceux qui veulent passer un tour là-bas. Ça va toujours m'arriver pareil. Hein. Je sais que vous étiez très occupés. Vous n'avez pas pu être là. C'est correct. Je le comprends. Il n'y a pas de souci. Et ceux qui sont à Montréal, Virement Interact. Au 514-915-0160. Juste m'envoyer un message ou bien au email natsingas@commercialhotmail.com. natsingas@commercialhotmail.com. Ah, tu as envoyé. Oh, ma jolie. Encore toi, ma fille. Toi, je sais que tu n'as pas pu être là parce que sûrement tu travaillais et tout. Pas de souci, ma fille. Natsingas, NATYNGA2S, à commercial, hotmail.com. C'est mon email pour les virements interact. Merci à tout le monde. Franchement, le merci est total. Quoi. Il est plein, il est rempli. C'est hier ce qui s'est passé. Depuis hier, depuis avant, c'est ce qui se passe partout là. Même mon litchi bancal qu'on a tellement insulté, ça a pris un comme ça et tout. Franchement, je dis merci. Il y en a qui n'ont pas cotisé dans le litchi pour la belle histoire. Ils ont envoyé plutôt des Western Union en arrière. Je vous dis, en grosso modo, mon litchi, ça fait 1 800 000. Maintenant, avec ce qui vient de s'ajouter, ça fait comme 2 100 $. Franchement, je m'en bats. J'ai reçu de Western Union parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça et tout. Donc, franchement, dans la vie, faites le bien. Aimez les gens, semez le bien. Même si on vous insulte, on vous nague, on vous méprise, on ne reconnaît pas votre valeur. Continuez à faire ce que vous faites. Un jour, c'est le ciel, c'est l'univers qui va s'accorder en votre faveur. Ok? Je vous aime. Bisous. Bye. Nous, on va passer à table. Je vous reviens tout à l'heure. Bye. Bye. Je vous aime beaucoup.